Thank you guys. C'est sucré. Oh! C'est probablement la pire, mais pire margarita pas d'alcool que j'ai bu à vie. La pire, 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 pire margarita ever. Yeah. Ouf. Alors, je suis en Indiana, dans une ville qui s'appelle Lafayette. Lafayetteville? Lafayette. En tout cas, peu importe. Et dans quelques secondes, on va faire une dégustation de Kit Kat venant de la Chine ou du Japon. Là. Vous m'excuserez, là, je ne suis pas très, très expert à décortiquer l'écriture, mais je vais le savoir en lisant dessus. Fait que dans quelques secondes, on va aller voir ça. Donc, j'ai fait mes vérifications, j'ai fait mes recherches. Alors, c'est Kit Kat aux pommes. C'est un produit du Japon. Distribué par Japan Crate. Et c'est, bon, ben, c'est importé ici, aux États-Unis. Donc, fait par Nestlé. Il y en avait de toutes sortes. Il y en avait au gâteau fromage, au thé matcha. C'était pas... ça m'inspirait pas beaucoup, mais aux pommes, why not? Puis en même temps, là-bas, j'ai trouvé... J'en bois pas, OK? Je bois pas de boisson énergisante, mais une Duff. C'est la fameuse bière dans les Simpsons, mais là, eux ont transformé ça en boisson énergétique, mais ça va aller dans ma collection. Il n'est pas question que je bois ça. OK, alors, je l'ai ici. Petite Kit Kat aux pommes. On y va. Et ça... Ça sent l'essence de pomme. Et je vous le dis, ça sent fort. On va en prendre juste un morceau. Un morceau. On va serrer l'autre. OK, on va l'avoir. C'est marqué Kit Kat. OK, il faut que je suis pas en train de manger un tas de marde, là. Fait que je vais croquer. Ça ne gagnera aucun prix. Ça gagnera aucun prix de dégustation mondiale de ci et de ça. Honnêtement, sur une échelle de 10, je vais donner la note de 5. Ça,
Non, y a-tu de l'alcool là-dedans? Contient soya, wheat, apple and milk. Sucre, lactose, vegetable, fat and oil, whole milk, powder, cocoa, butter, farine, lactose, cocoa powder, cocoa, soya, apple, poudre de pomme. Ok, non, il n'y a aucun alcool là, mais ça a un goût. Tu sais, quand on était jeune, je ne sais pas si ça existe encore, sûrement. Oh, oui, ça existe encore. Puis on mangeait, tu sais, des petites bouteilles d'alcool en chocolat, là. Ça a le même feeling, c'est très fort, c'est... Non, c'est pas bon, tiens. Je vais les ramener au Québec, puis je vais les donner à mes proches, moi. New. Show me Sandoflora. 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 Big sucker, Sandoflora. Sandoflora. Show me wax on. J'ai pas eu de vlog en tant que tel depuis l'épisode 18, mais j'ai fait beaucoup de contenu sur ma chaîne YouTube, également sur ma page On The Road et Nomade. Puis je suis en train de travailler avec des amis sur un projet, puis ça me prend beaucoup de temps. Rajouté à ça, puis je l'ai expliqué dans mon dernier podcast sur ma chaîne sur Spotify qui est On The Road. J'étais à l'hôpital, j'ai encore eu des problèmes de reins. Cette fois-ci, je les ai eu aux États-Unis. Alors, j'ai goûté au système de santé américain. Et comme j'expliquais dans mon podcast, le jour et la nuit. Vraiment, là, entre le service hospitalier qu'on connaît, nous, au Québec, et celui américain. Mais il y a une différence importante, c'est qu'aux États-Unis, ces hôpitaux-là privés, c'est de la business. Et pour de la business, j'ai été traité comme un client roi. Là, je dis ça a été comme ça. C'est sûr que j'avais l'argent pour ça avec les assurances. Donc, ils m'ont traité, ils m'ont soigné. Et ça a été, je vous le dis, le bordel. Me rendre à l'hôpital sans embarquer dans les détails, ça me tente pas. Mais il a fallu que je sois transporté en ambulance pour me rendre jusque-là. C'était rien de grave, mais depuis, ça va faire 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans là cet été. Je traîne des problèmes rénaux qui sont désagréables, mais qui sont endurables. Mais des fois, regardez, en beau québécois, je fais des pierres aux reins, mais j'en fais trop, là. Je veux dire, c'est une n'attend pas l'autre. Puis celle-là, je l'avais vraiment pas vu venir du tout, du tout, du tout. Et pour ceux qui ont déjà fait ça, une pierre aux reins, c'est comme ça. Ça part comme ça. Il y a certains symptômes que maintenant je sais d'avance, mais comme la première fois que j'ai fait ça, les symptômes avant, je m'en étais pas rendu compte. Mais ça, là, c'est de même. On me contait que mon arrière-grand-père tremblait, Cossette. Mon arrière-grand-père Cossette est décédé dans les années 50. Il était monté dans une échelle et la crampe lui a pris d'un coup. Il est tombé à terre puis il est mort. Donc, j'ai fait le tour de mon profil familial, puis il y a des problèmes de reins, donc j'ai hérité de ça à l'âge de presque 43 ans, mais ça se contrôle super bien. Puis en plus, moi, je ne sale rien, je fais attention à mes repas, je bois pas de liqueur, j'évite le sucre à part. Ben, la démonstration de Kit Kat qui n'était pas mangeable aux pommes, mais sinon, je fais extrêmement attention. Fait que pour moi, c'est tout le temps une surprise. Donc, on est en train d'analyser qu'est-ce que je mange dans ce que je mange de bien, qui est pas bon. Tiens, on pourrait dire ça comme ça. Je pense que c'est la meilleure manière de le dire. Sinon, j'ai aucune autre explication logique à ça.
Je vais avoir 43 ans dans deux mois, puis je traîne des pierres aux reins. T'sais, au moins, c'est pas d'autre chose, mais tu sais, je mesure 6 pieds 4, je pèse exactement 249 livres. À l'époque, j'en pesais 380. Ça aussi, là, c'est 140 livres en moins qui m'ont fait le plus grand bien. L'année passée, là, je pesais encore moins que ça. Mais là, c'était des pertes de poids suite à mes problèmes de reins. Donc, j'étais rachitique, ça en était épouvantable. Là, à 240 livres, moi, je suis extrêmement bien. Je suis capable de me voir pisser, je suis capable de parler et marcher en même temps. Ça, c'est mon chum Pierre-Luc qui me disait ça l'autre fois. Mais il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose de pas correct. Donc, je vais revenir avec l'épisode 20 bientôt. Je sais pas dans quel coin des États-Unis je serai présentement. J'étais à Lafayette. Les images que j'avais vues auparavant, c'est pas la route pour venir en Indiana. Au contraire, c'était des images en Floride et dans le tunnel de Baltimore. Sauf que j'ai pas filmé ma route là, pour m'en venir. Là, quand même, je vous filmerai le Michigan, là, puis l'Indiana, il n'y a rien. Quoique l'Indiana, c'est une c'est un très bel état. J'en ai vu dans une autre job. D'autres parties de l'Indiana, c'est exceptionnellement beau, c'est exceptionnellement tranquille. Ici, il n'y a rien. Mais là, j'arrive vous avez vu, là, d'aller boire une margarita pas d'alcool, pas buvable. J'en paie le prix parce que depuis tantôt, j'ai goût de vomir. Fais attention. Donc, c'est court, cet épisode-là. L'épisode 19 est très rapide. Mais c'était pour vous montrer ça et vous dire que je ne vous oublie pas. Je suis tout le temps en train de créer du contenu. Vous le voyez sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, sur mes pages On The Road et Nomade. Et j'en ai une nouvelle, je vais vous annoncer bientôt. Mais je travaille avec des chums sur un projet avec infonewstransport.com. Ça va être gros, ça va être intéressant, ça va être positif, ça va être le fun. Voilà.